l'administration, comment accueillir et respecter les usagers de l'administration, sont autant de contenus du module de la socialisation enseignée aux jeunes de la troisième cohorte du Service national des jeunes. Au centre d'instruction de Bafo, il y a plus de 700 jeunes qui participent à cette formation militaire. Honoré Tchénou. Au centre d'instruction de Bafo, ce sont des cours intensifs de formation militaire. 4 mois sur les 6 prévus, voilà ces civils déjà métamorphosés en potentiels soldats pour servir la nation. Ils sont de la 3e cohorte du Service national des jeunes qui affûtent leur capacité opérationnelle dans plusieurs modules, dont la socialisation. La socialisation, c'est pour permettre aux recrues de la fonction publique aux cohortes 2022 de se familiariser avec ceux qu'ils vont avoir comme travail sur le terrain. Ce n'est pas pour leur apprendre du nouveau, mais pour échanger et transmettre notre expérience du vécu. 784 jeunes participent ainsi à cette formation militaire. Objectif, former des nouveaux défenseurs, patriotes de l'État et créer un vivier militaire. Les engagés sont entre 18 et 35 ans et parmi eux se trouvent un bon nombre de femmes. Nous avons appris que l'administration malienne était importante et qu'on ne pouvait pas travailler sans la connaître. Nous avons appris la définition de l'administration malienne. Nous avons également appris que l'administration était exercée par les différentes catégories A, B et C. Et nous avons appris que les origines de cette administration remontaient même avant l'indépendance. Tout début, il nous a enseigné que c'est utile d'avoir une formation physique et morale, puisque après avoir eu la fonction publique, on nous envoie dans des localités qui sont souvent hostiles. Des formations théoriques, physiques et pratiques sont autant de techniques adaptées à la guerre et qui sont enseignées aux jeunes au cours de cette formation militaire.